les morts. Mange tes morts. Les morts. Il y a plein de sources, c'est sûr. Il y avait une affiche, le 8. Le capitalisme, mange tes morts. Le capitalisme, mange tes morts. Le capitalisme, mange tes morts. Tu sais, tu accroches ça à la queue de ton chat et ça cache, sa muche. Ah, c'est la queue, mais tu mets pas ça dans la nuque du chat. Non. Oui, mais ça, c'est des rajouts. Ce qui serait vraiment intéressant, ce serait de pouvoir changer l'anus comme on veut, faire des. Tout d'un coup, oui, qui des formes un peu particulières. Extrapolation de la chair, comme si c'était. Ça va se faire, clairement. Ça va se faire, clairement. Des coups. Qu'est-ce que tu cherches? Si tu veux. Elle est au bouchon. Moi, je connais l'expression, ça fait blanchir l'anus, mais je sais pas à quoi ça consiste. Eh bien, c'est une pratique. C'est comme blanchir l'argent. La limite en train de pleurer, et du coup, ça. Redouble ses pleurs ou ça provoque ses pleurs. Oh, bah, il ressent ça. Papa, évidemment, enfin. Tu veux dire que tu tortures et je suis hilar. Non, oui, ça m'amuse beaucoup, ouais. Qui veut des enfants plus tard? Non, mais je le ferai en pomme d'anus. Pourquoi il ne faut pas avoir d'enfant? Parce que un de nos enfants, si on a un enfant, eh bien, il assistera à la chute totale du pôle Nord. À la fin, la disparition des abeilles. Je sens qu'il va me déprimer. Sauvage. Aurélien, tu veux un enfant? Oui, il n'y aura plus. Et si c'est un enfant d'extrême gauche? Il y a de plus en plus de trous. Animal, si c'est un enfant d'extrême gauche. Et bien, il souffrira d'autant plus. Oui, moi peut-être. Il sera gazé dans les manifs. Oui, nous avons bien ensemble. J'ai fait la soirée Dior là-bas aussi il y a 2 ans, financée par Kim Jong-un.